はい、こんばんは、毛利義孝です。今日はですね、今日まさにウェブをオープンしたんですけども、東京ビエンナーレの一環として、僕がディレクターとして始めたプロジェクトの、リレーションズというものの、公開オンラインレクチャーを行います。リレーションズって言っても何のことか分からない人もいると思うんですけど、基本的にはこれからの批評の在り方をどう考えるか、とりわけこれだけこうデジタルメディアだとか、あるいはその美術そのものがすごく変わってきている、新しいそのソーシャルエンゲージドアートとか参加型の美術だとか、あるいはコミュニティアートだとか、いろんなそのこれまでにない形の美術ができていく、とりわけその東京ビエンナーレっていうのはそうしたものの実験的な場だと思うんですけども、そうしたものに対応するような何かこう批評の場ができないかということ、もう一つはやっぱこうグローバリゼーションですよね。これだけこうグローバル化が進んで、東京にもこんだけいろんな人が住んでいる中で、どういうふうにしてその必ずしも日本語ではないようないろんな多言語環境の中での批評をどう考えるかみたいなことをウェブの中で実験的にやっていこうというプロジェクトです。で、東京ビエンナーレそのものは、残念なことにちょっとこう、来年に、企画が持ち越してその、長期間になっていくんですけど、このプロジェクトについては、予定通り、今年から始めようと、2020から2021にかけて始めようということで、大体1年間の何らかの形で回していくことを考えています。で、今日は一番最初ということで、編集員もお願いしている、パリ高等美術学校の、クレリア・ゼルニックさんを、ゲストでお呼びして、最初にこう、レクチャーをしてもらって、その後、ディスカッションしていこうということにしています。で、今日以降6日間にわたってずっとこの時間帯、あるいは昼間、土曜日昼間ですけども、何らかの形でイベントやってますと、いろいろと見てもらえればと思います。では、クレリア・ゼルニックさんをお呼びしたいと思います。クレリア、So I think it's time to start this. はい、じゃあよろしくお願いします。Alors, je suis très heureuse de participer à cette série de conférences en ligne organisée par Maurice-san et je le remercie beaucoup de sa proposition. この度は毛利先生が主催されている批評とメディアのオンライントークシリーズに参加できることを非常に嬉しく思っております。お招きいただきありがとうございます。Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement avec la proposition de conversation qui m'a été faite,C'est l'articulation de ma recherche sur l'art japonais avec le contexte de la crise de Covid et la place des nouveaux médias à la fois dans la compréhension du contexte, mais aussi dans leur rôle avec la recherche, dans la recherche. このトークの趣旨で特に私が興味を持っているのは、私の研究分野でもある日本の美術、とりわけ新型コロナウイルス危機の文脈での日本現代美術、また文脈理解として研究分野としての新しいメディアの役割です。Il m'a semblé que la crise sanitaire a bien mis en évidence les deux dimensions des médias. Tout d'abord, premièrement, leur fonction de relais d'information, qui, grâce aux nouvelles technologies, se sont diffusées à une vitesse incroyable. En quelques semaines, la pandémie s'est trouvée relayée sur les médias du monde entier avec les mêmes craintes, les mêmes informations scientifiques, les mêmes consignes de prévention dans le monde entier.En une synchronicité quasi parfaite, hein, on pourrait dire que c'est la dimension d'immédiateté des médias. この健康危機はメディアの持つ2つの側面を明らかにしたと思います。1つ目はメディアの情報、媒介としての役割です。新しいテクノロジーのおかげで、驚くべき速さで情報伝達が行われています。数ヶ月のうちにパンデミックが世界中のメディアを中継し、同じ危機感、同じ科学的情報、同じ感染防止対策の拡散が行われ、準完璧な同時性が世界中で起こっています。これはメディアの即時性の側面とも言えるでしょう。Alors, la deuxième fonction qui a été mise en évidence par la crise, la deuxième fonction des médias, c'est la fonction critique, et donc non plus d'immédiateté, mais de médiateté, de médiation, de réflexivité par rapport aux événements, de retour critique et distancé sur l'actualité. Au vu de la soudaineté de la crise, c'est essentiellement sous l'angle de l'immédiateté qu'ont été traités les événements. Malheureusement, on va le voir.
2つ目はメディアション、これは仲裁っていう意味なんですが、という言葉が本来示すようにニュース、まあ、現実から距離を置き客観的批評に立ち返るという出来事に対する反射的な批評性の役割です。この危機の突然の広がりから、それは本質的に出来事を扱う即時性の観点です。Alors, je ne sais pas si ça a été identique au Japon, mais en France, nous avons écouté en boucle chaque jour le nombre de cas, le nombre d'hospitalisés, le nombre de morts. La France, en un sens, s'est soudée en une grande communauté, en symbiose compassionnelle. Et c'est donc bien davantage la fonction de relais et d'immédiateté des médias qui a été mise en avant. Mais pour ce qui est de la fonction critique et média, il faut avouer que très peu de débats démocratiques ont véritablement été lancés, et je trouve que c'est assez dommage, puisqu'on a beaucoup parlé d'un monde d'après, d'un monde nouveau, de changer de monde, de refaire le monde, ce qui est tout à fait exaltant et passionnant, mais on a très peu entendu de discussion sur le contenu, et cela a été assez peu débattu. 日本ではどうだったか分かりませんが、フランスでは毎日繰り返し感染者数、入院者数、死者数を伝えていました。フランスではある意味思いやりの共生による大きな共同体が出来上がっており、それはメディアの即時性の中継の役割によるものでありますが、批評性の役割の観点から見ると民主的な議論があまり なされておらず、少し残念に思います。コロナ後の世界というものが話題にはなっていましたが、実際にどのようなものになるのか、どのように変えられるのかといった内容まで踏み込んでいる議論は非常に少なかったように思います。Et donc, à mon avis, malheureusement, durant cette crise, les médias ont surtout servi de relais. On a surtout utilisé la fonction de relais, la fonction d'immédiateté des médias. Et donc, les médias ont servi de relais aux injonctions gouvernementales, restez à la maison, suivez les consignes sanitaires. Alors, c'est tout à fait important, mais au détriment de la fonction d'analyse, de la fonction d'immédiateté des médias, qui aurait pu apporter des éléments de réflexion sur cette crise qui, il faut le rappeler, hein, est absolument inédite dans sa soudaineté et dans son échelle absolument mondiale. 私の意見では、残念ながらこの危機下でメディアは政府の命令、外出制限などを伝えることに使われ、世界規模の未曾有の危機に対する反芻を行う分析の機能を十分に果たしていなかったように感じています。Mais si cette immédiateté des médias peut être critiquée en raison de sa myopie fondamentale qui fait coller aux événements et aux faits, il y a aussi cette immédiateté spatiale qui nous permet aujourd'hui, grâce aux technologies de visioconférence, de se retrouver ensemble en un même espace-temps virtuel.Sans transition, alors que nous sommes à des milliers de kilomètres des uns des autres, de discuter ensemble, et c'est vraiment une très grande chance. Et cette immédiateté spatiale-là, elle est, me semble-t-il, critique, elle est réflexive, ou du moins, elle contredit toutes les peurs de l'autre que la pandémie est en train de faire surgir, tous les isolationnismes et les replis sur soi qui se remettent en place. Et cette immédiateté-là, il est très important de dire, me semble-t-il, qu'elle doit servir à uncosmopolitisme critique et solidaire. しかし、出来事から距離を置かない根本的な視野の狭さから、メディアの即時性を批判することもできますが、テレビ会議のテクノロジーなどによる空間的な即時性のおかげで、障害なくお互いに何千キロも離れた私たちが、本日このようにして議論ができるわけです。そして、この空間的即時性は批評的であり、反射的でもあり、少なくとも再び湧き上がってきている他者への恐怖、孤独主義や不干渉、自制に異議を申し立て、この即時性は批評的であると同時に、連帯したコスモポリタニズムに尽くすはずだということが重要でしょう。Alors après cette longue introduction, j'aimerais en venir à mes recherches sur l'art japonais et précisément aujourd'hui, puisque c'est notre sujet, à l'art en réponse à une crise. Crise et critique viennent de la même racine étymologique, alors on peut effectivement se demander si la crise conduit à la critique ou si la critique est elle-même créatrice de crise de la pensée ou même de crise de l'art.
長いイントロダクションでしたが、ここから私の日本美術の研究に話を戻したいと思います。本日は特に我々の主題でもある危機の返答としての美術についてお話しします。危機、クライシスと批評、クリティックは同じ語源から派生した語でもありますので、危機が批評性を高めるのか、批評それ自体が思想の危機の創造物であるのかを問いかけてみることができるでしょう。Alors, pour démarrer la réflexion avec vous, j'aimerais partir de la Triennale d'Aichi en 2019, qui a fait beaucoup parler d'elle en raison de la censure dont elle a fait l'objet. この問いを皆さんと考えるために、まず検閲が問題になった2019年の愛知トリエンナーレについてお話ししたいと思います。Cette situation crise a conduit à beaucoup de discussions.De la part des commissaires d'exposition et des artistes, et de ce fait, crise et critique se sont nourries l'une l'autre, et il en ressort quelque chose de très bénéfique. Toute crise, me semble-t-il, a cette capacité-là de faire surgir et de mettre en avant des éléments qui étaient déjà là. Il y a un pouvoir révélateur de la crise, et. この危機的状況はキュレーターやアーティストの間で大きな議論を巻き起こしました。そして危機や批評はお互いを豊かにし合い、結果として益になるものにあったようになったように感じます。すべての危機はすでに水面下に存在しているものを明るみにする能力があります。危機の啓示者的能力です。Alors, j'ai...longuement travaillé sur l'art après le 11 mars 2011, après Fukushima, mais pour ne pas revenir sur des exemples d'œuvres qui vont être traités par Adrien Favel dans un prochain entretien avec M. Maury, ou pour ne pas aussi redire ce que vous savez sans doute beaucoup mieux que moi, et c'est toujours la difficulté bien sûr quand on parle d'un sujet que nos auditeurs connaissent mieux que nous, j'aimerais d'abord survoler avec vous, j'aimerais...Pour aujourd'hui, pour ce soir, survoler avec vous trois figures de la crise qui semblent ressurgir systématiquement ou statistiquement en temps de crise et qui, s'ils semblent a priori anodines, fantaisistes et fictionnels, sont en réalité des leviers de critique, des figures imagées de la critique.私は 3.11 以降、福島後の美術について長らく研究をしてきましたが、毛利先生のエイドリアン・ファベルとの対談で明日語られるでしょうが、皆さんの方が私より福島後の美術については随分お詳しいと思いますので、今回はその話はしないことにいたします。自分よりオーディエンスの方がよく知っていることについてお話しするのは非常に難しいですね。でここでは危機の際に体系的に繰り返し登場し、先見的には無害で空想的で架空のものですが、批判の手段である、批評の手段である危機の3つの継承モチーフについて触れたいと思います。Alors, nous passerons rapidement sur les deux premières figures que je n'ai pas étudiées en tant que telle, mais me permettrait d'être un peu plus long sur la dernière, qui est mon sujet de recherche actuel.Alors, afin de généraliser mon propos, j'essaierai également de faire quelques allers-retours avec la crise sanitaire que nous traversons, sachant cependant que nous en sommes bien trop proches pour en observer les effets sur la production artistique. はじめの2つのモチーフ、継承については、私の専門ではないので、簡単に触れさせていただき、現在の私の研究テーマである最後の1つについては、少し長めにお話をさせていただきます。私の提言を一般化するために、私たちが経験している健康危機の芸術政策への影響を観察するには、あまりにも事態が直近すぎることを承知の上で行ったり来たりしてみようと思います。Les trois figures que j'aimerais étudier qui ressurgissent en temps de crise sont, me semble-t-il, des figures du seuil, c'est-à-dire aussi de l'entre-deux, du point de bascule.Entre un monde et un autre monde, ce qu'elle donne à comprendre, c'est qu'un autre monde est possible, qu'un basculement hors du cadre confortable de nos références est à penser. Je prendrai mes exemples dans le champ des arts visuels, mais bien sûr, il faudrait en retrouver la trace dans d'autres médias,
Ainsi, le professeur de littérature Kan Nozaki a repéré ces mêmes figures ou motifs dans la littérature après Fukushima. Figures de la crise ou de l'après-crise, ce sont aussi des figures critiques qui précisément donnent à penser les passages, les hiatus, les changements de nom, des changements de registre et qui, par leur écart, nous interrogent et nous questionnent. 私が考察する3つのモチーフは、多くの危機の中で再浮上してくる。ある世界とは別の世界の間にある異基地、境界の像、つまり中間や転換のイメージであるように思います。ここでは美術の分野から例を挙げますが、文学研究者の野崎寛先生が福島後の文学に同じモチーフを見出されているように、もちろん他の媒体にもその痕跡を見ることができるでしょう。危機や危機後のモチーフは批評的なモチーフでもあり、それらのモチーフは筋道や断絶を想起させ、世界や生活様式の変化を私たちに感じさせ、そのギャップによって私たちに問いかけてきます。Le premier motif que l'on pourrait repérer comme figure d'un changement de monde, c'est l'enfant. L'enfant qui est bien une figure du seuil, de l'entre-deux, car il est entre le nourrisson et l'âge adulte, une figure de la métamorphose, de la mobilité, qui précisément pour cette raison peut être inquiétante. Chez Kishida Yusei, cette figure devient l'objet d'une série récurrente, la série des portraits de Reiko, intensifiée encore après le tremblement de terre de 1923, et révèle précisément la perpétuelle mobilité, fragilité, fugacité des choses. L'enfant ne s'arrête jamais de se métamorphoser. 最初に取り上げる世界の変化のモチーフは、幼児と大人の境界に位置し、まさにそのために壊れそうでもある子供です。子供のモチーフは、岸田劉生の作品では、1923年の関東大震災後にさらに強化された霊子の肖像が霊子像シリーズという反復的なシリーズの対象となり、ものの永久的な流動性を表現しています。Alors, diapositive suivante. C'est également le motif d'une série après Fukushima réalisée par Toyoshi Ozawa. Everyone likes someone as you like someone. Que l'on voit actuellement à l'écran. Ozawa Tsuyoshi a, "あなたが誰かを好きなように誰もが誰かを好き" のように Fukushima 以降の子供のモチーフが見られます。Le mélange entre les caractéristiques de l'enfant et de l'âge adulte, oui, on peut passer à la se retrouve également chez Yoshitomo Nara, bien sûr, ou encore chez Izumi Kato, diapositive suivante, dont on retrouve l'actualité puisqu'il a fait l'objet de la dernière exposition au Hala Museum, d'une grande exposition à Pékin en 2020 et d'une prochaine exposition à Perrotin à Paris. 子供と大人の特性が混在していることは奈良義智にも見られますし、最近の原美術館での展覧会、2020年の北京での大規模な展覧会、そしてパリでのペロタンでもうすぐ始まる展覧会が話題の加藤泉の作品はより強くそれを表しています。Alors, diapositive suivante. C'est cette même néothénie qui caractérise l'axolotl de Erina Matsui.Le mélange des genres et la confusion des âges est un moyen de prendre ses distances face aux catégories établies et de faire bouger les frontières de manière critique. D'où, après la catastrophe du 11 mars 2011, l'apparition du Sunchild de Kenji Yanobe, diapositive suivante. Matsui Erina の山椒魚の養鶏成熟のイメージにも同じことが言え、性の混合と年齢の混乱は規制のカテゴリーから自分自身を遠ざけ、批判的な方法で境界線を移動するためさせるための手段であります。2011年3月11日の震災後のには、矢野部賢治のサンチャイルドが登場しました。Avec la crise écologique, l'enfant est aussi la figure du futur qui nous demande de répondre de nos responsabilités.Face à un tribunal des générations futures. C'est ce qu'a réfléchi notamment le philosophe Antionas. 生態系の危機において、子どもは未来の世代の
法廷の前で、まあ、未来の世代に私、法廷の前で私たちに責任を問う未来の姿でもあります。これは特に哲学者のハンス・ヨナスが言ったことであります。Alors, deuxième figure, diapositive suivante, deuxième figure qui ressurgit en temps de crise, le fantôme, ou ici l'ange, puisqu'on pense bien sûr à la figure de l'ange de l'histoire de Walter Benjamin, qui est projeté vers le futur alors qu'il regarde sidéré les ruines et les décombres de l'histoire, ou du progrès, dit Benjamin, qui s'accumule à ses pieds. 2つ目のモチーフは幽霊や天使です。もちろんウォルター・ベンヤミンの歴史の天使、これは、ポール・クレーの天使の、絵を分析したものなんですが、それに登場する天使の姿のを思い浮かべる人もいるでしょう。この天使は足元に積もる歴史、まあ、あるいは進歩の廃墟や瓦礫を見て唖然としながら未来に向かっています。Mais l'ange ou le fantôme semble revenir à chaque fois lors des grandes crises, précisément parce que la crise change tout sans se rendre visible nulle part. Parce qu'elle est à la fois présence des morts au milieu des vivants, seuil entre morts et vivants, entre visible et invisible. 天使や幽霊は大きな危機の度に見られるモチーフです。なぜなら目に見えない形で全てを変え、同時に生存者の中にある死者の存在、死者と聖者、目に見えるものと見えないものの境界でもあるからです。On pense aussi à la série des yokai, diapositive suivante de Kishida Ryosei après 1923. 1923年以降の岸田流星の妖怪シリーズも幽霊が登場します。À la présence des fantômes qui hantent les journaux.Désormais dans la région du Tohoku, ou aux personnages, diapositive suivante, qui viennent hanter et parasiter pour les critiquer notre rapport aux images et aux médias, comme dans cette performance de Kota Takeuchi, aux voiles. Pardon. Tohoku 地方の新聞に取り付く幽霊の存在や、私たちとイメージやメディアの関係の批判のために取り付いて規制する人物、これは竹内康太。の作品などもあります。Au voile blanc, menaçant peut-être, flottant au-dessus de la ville de Tokyo, comme chez Shinji Omaki, ou encore chez Aida Makoto. 東京の街に浮かぶ、まあ、おそらく驚異的な白いベールの作品、大巻真嗣の作品もありますし、次、アイダ・マコトの作品もにも幽霊の姿が見て取れるでしょう。Aux fantômes dans les miroirs des installations de Yanagi Yukinori, diapositive suivante. Yanagi Yukinori の installation の鏡の中の幽霊も見えます。Ou aux fantômes partout présents chez le cinéaste Kiyoshi Kurosawa. あるいは黒沢清の作品には至るところに幽霊が存在しています。Sans doute aussi avec la pandémie de Covid, le virus étant à la fois invisible et partout, distribuant la mort et la maladie, c'est bien sous forme du fantôme qu'on peut le comprendre et éventuellement le représenter. Le virus, comme le fantôme, ne connaît pas de frontières et de limites, il est partout présent et partout invisible. Corona のパンデミックで疑いもなく、ウイルスは目に見えない形で至るところに存在しながら、死と病気をまき散らしており、それはまさに我々が理解し、おそらくそれを表現することができる幽霊の形になっています。La figure du fantôme, largement présent dans le folklore japonais, du yokai, hein, est mobilisable pour donner à voir le virus, et on a vu notamment le retour de l'âme habillée, à la fois fantôme et anime. ウイルスは幽霊のように境界や限界を知らず、どこにでも存在しているのにどこにも見えません。日本の昔話に、広く存在する幽霊の姿はウイルスを目に見える形で表したとも言えるでしょう。まあ、特にアマビエは幽霊と動物の愛の子でもあります。Alors, pardon, j'ai oublié donc de vous montrer à quel point les fantômes étaient partout. Donc, on peut voir aussi chez des artistes français qui ont été exposés au Japon, comme chez Charles Freguet, une exposition sur les fantômes. Diapositive suivante.
フォーラムエルメス、フォーラムエルメス銀座の、エルメスのギャラリーでシャルル・フェルゲという、作家も幽霊を展示しました。次お願いします。Diapositive suivante. 次お願いします。Le retour de certains personnages, comme dans les séries réalisées par Tsuyoshi Ozawa. Ozawa Tsuyoshi は、そのような、モチーフ、まあ、人物に立ち返ります。Ou encore, diapositive suivante. 次お願いします。Là aussi, un personnage passé qui revient pour articuler présent, passé et futur, donc là aussi à la limite.Des temporalités chez Fuyuki Yamakawa. Fuyuki Yamakawa, Yamakawa Fuyuki の作品には、人々、その人物がその境界に存在するようなその間の存在が映し出されています。Diapositive suivante. Et donc le retour de cet animal mi-animal mi-fantôme, hein, comme créature.Du virus pour rendre présent, pour représenter ce qui pour nous ne se représente, se rend visible difficilement. アマビエは、幽霊と動物の愛の子でもあり、その見えないウイルスをもう目に見える形で表したものです。La Mabie est à la fois fantôme et animal, et donc notre troisième figure.En temps de qui ressurgit en temps de crise, notre troisième figure du seuil et de la frontière, c'est l'animal. 次お願いします。次ヤマビエは幽霊と動物の愛の子ですが、次のモチーフは三つ目のモチーフは動物になります。Alors la crise du Covid est particulièrement liée à l'animal puisqu'on a déclaré que la cause en était la chauve-souris ou le pangolin.Ces deux animaux sont particulièrement significatifs parce qu'en plus d'être des vivants autres que l'humain, c'est-à-dire d'être avec des sensibilités autres, des regards autres, hein, donc d'où cette étrangeté de l'animal en général, qui est au seuil de l'humain et du non-humain, ces animaux, le pangolin et la chauve-souris, ont comme particularité d'être hybrides, donc de redoubler, si vous voulez,cette dimension de seuil difficile à classer. La chauve-souris est bien sûr entre la souris et l'oiseau. Le pangolin, lui, semble absolument inclassable, comme s'ils étaient véritablement des figures de l'intervalle, de la porosité des frontières, et en ce sens déjà inquiétant, déjà menaçant pour notre pensée et notre amour des classements rigoureux. コロナウイルスの危機は原因がコウモリや仙山鉱だと言われているので。動物との関係性が特に高いと言えます。この2種類の動物は人間以外の生き物であること、つまり感覚が違い、外見が違うという人間と非人間の境界を表すことに加えて、特にハイブリッドで分類することが難しい動物です。まるで真の境界のモチーフのように、コウモリはネズミと鳥の間に位置し、分類され、三千鉱は分類不能でもあります。その意味で私たちの愛や分類というものは怪しいものだと言えるでしょう。Alors, diapositive suivante. 次お願いします。Ce qu'il y a d'intéressant avec l'animal, alors on voit là une image qui est très frappante puisque c'est une autruche qui était conservée dans la région de Fukushima parce qu'elle était le symbole, la mascottede TEPCO et qui s'est trouvée libérée suite au 11 mars et qui vient hanter, qui vient parasiter le dispositif urbain. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec l'animal, c'est qu'il semble revenir en temps de crise sous plusieurs formes. D'abord dans les territoires, comme on le voit là dans cette image, puisqu'en effet, en temps de crise, les animaux reviennent quand l'homme s'en va.C'est ce qu'on appelle le rewilding, réensauvagement en français. On pense donc aux autruches de TEPCO qui circulent dans les rues, mais aussi pendant le Covid, on a eu des images extrêmement saisissantes, comme par exemple les dauphins dans les canaux de Cagliari, les sangliers dans les rues de Barcelone,
les canards dans les rues de Paris ou les pingouins qui visitent leur propre aquarium à Chicago. 動物の面白いところは、危機の時にさまざまな形で現れてくるところです。この写真にもあるように、福島のマスコットでもあったダチョウは 3.11 の際に、道に放たれ、テプコの、福島の原発事故の際に、市街地に出てきました。なので、さまざまな危機に直面し、人間の危機の際に人間がいなくなると動物たちがその、町に出てきます。これをリワイディングと言います。また、同じように2020年の春のコロナ危機の際にはカリアリ運河のイルカや、バルセロナの街角でのイノシシ、シカゴの動物園を訪れるペンギン、また、パリの街中にいるカモの姿を見て、動物が市街地に出てくるっていうということをよく印象付けたと思います。Alors, diapositive suivante. 次お願いします。Ce rewilding pendant la crise du Covid nous fait penser évidemment.Aussi retour d'ours ou de sangliers qui étaient venus repeupler les forêts après la fuite des hommes hors de la zone de radioactivité à Tchernobyl. この、コロナ危機の後に動物が市街地に出てきたことは、チェルノブイリの放射能の、危機の際に、人間が逃げ出した後森から再繁殖するようになったクマやイノシシの物語を思い出させるでしょう。Alors, diapositive suivante. 次お願いします。Mais c'est aussi dans les textes que les animaux font leur retour et la philosophie contemporaine francophone prend en cela la suite de la philosophie américaine, hein, tout à fait, là, comme on voit les textes de Donna Haraway ou de Vinciane Després.Qui est une philosophe belge. Et puis, les animaux ressurgissent également dans l'art. On peut prendre pour exemple l'exposition Animal in Heart au centre d'art Arkan au Danemark, qui expose en ce moment, notamment Kowai Nawa, ou encore l'exposition Humananimalisme, actuellement à Paris, donc qui mixte l'humain et l'animal, et dont le commissaire est Paul Ardendiapositive suivante. 次の、お願いします。しかし動物が戻ってくるというのは、文章、文学の中にも出てきます。例えば、フランス語文学、哲学、文学、まあ、ベルギーの哲学者の中にはアメリカの哲学の影響が見られます。また最後に、芸術においても動物は関心の中心にあります。例えば、現在デンマークのアルケンアートセンターで開催されているアートの中の動物展では、ナワコウヘイなどが展示されていますし、ポール・アルデンヌがキュレーションを務めて、現在パリで開催されているヒューマン・アニマリズム、人間ヒューマンとアニマル、動物が掛け合わさった非常に言いにくい展覧会の名前なんですが、これがパリで開催されて注目を集めています。Alors, comment comprendre ce retour de l'animal en temps de crise? Il y aurait beaucoup à dire, mais on peut déjà esquisser deux explications. D'abord, l'animal nous parle du monde d'un point de vue non humain.Et en ce sens, il est une vraie voix, nous rappelle à notre conscience écologique, à notre conscience de vivant au sens large, et nous sort d'un point de vue strictement anthropocentré. Et puis deuxièmement, l'animal, et c'est passionnant et c'est d'une richesse infinie, articule fiction et réalité, et peut ainsi critiquer sans en avoir l'air. C'est par exemple tout le sens hein, des fables de La Fontaine,pour revenir à la littérature française. Et donc, en ce sens, l'animal est une allégorie critique. このような危機的な状況の中で、動物の機関がどのように理解できるのでしょうか。まあ、たくさんのことが言えるかと思いますが、大まかに2つの説明ができると思います。1
つ目は、動物の非人間の視点から世界を語り、その意味で生態系を再認識させ、人間中心の視点から私たちを連れ出してくれるリアルな声でです。2つ目は、動物は虚構と現実を強調し、それゆえ柔らかく、状況を批判することができる。これはラフォンテーヌの寓話にも見られます。動物は批評的な寓話でもあるのです。Alors, en suivant la piste animale, il ne s'agit pas tant de parler d'animaux que d'entendre, d'essayer d'entendre une autre modalité de discours sur nous les hommes, ou plus largement sur les créatures qui partagent la vie sur Terre. Une autre langue, donc, parfois plus codée, métaphorique et à déchiffrer, parfois toute connotative et poétique, et cependant, c'est du moins ma croyance, souvent en même temps critique. 動物の軌跡をたどることで動物の話をするのではなく、私たち人間について、またあるいは地球上の生命に共通している生き物について別の方法で話を聞こうとします。それゆえ時には高度化され比喩的であり、時には非常に隠喩的詩的であり、また非常に同時、また常に同時に批評的でもあります。Alors, diapositive suivante. La piste animale, c'est d'ailleurs la piste qu'a suivi ce grand amoureux du Japon qui est Chris Marker, quand dans le DPI ou dans Sans Soleil, il cherche à retrouver les traces des chats dans toutes ses déambulations au cimetière sur les toits. Et au terme de sa quête, il est conduit dans un musée animalier pornographique extrêmement radical. Donc, du cimetière à la pornographie, la piste animale semble familière et anodine dans un premier temps, alors qu'elle est souvent sulfureuse et provocatrice. Introduire un animal dans la ville, dans un texte, dans une image, c'est toujours introduire de la subversion. On pense à l'autruche de Tepco ou au lapin dans Alice au pays des merveilles. C'est en effet en suivant le lapin blanc dans son jardin écrasé par l'ennui d'une chaleur estivale qu'Alice bascule de l'autre côté du miroir dans le monde des merveilles et des fantaisies. Suivre la piste animale peut être extrêmement dangereux. C'est suivre la démarcation fragile du réel et de sa fictionnalisation, de la mémoire et de l'imagination, de l'histoire et de la fiction. Chris Marker également soulignait que le Japon est le pays où la frontière entre réalité et fiction se brouille étrangement. Il nous dit « Imaginez le Japon est une manière de le connaître ». Takashi Murakami, d'ailleurs, dans son manifeste du Superplate, voyait également un tropisme pour la fiction dans l'art japonais, une manière de se détourner des coordonnées factuelles de l'histoire, notamment dans une après-guerre difficile. 動物の痕跡とは、日本愛好家であるクリス・マルケルがル・デ・ペイやサン・ソレイユの中で墓地や屋上の猫の痕跡を探した時にたどった道のことであり、彼の探求の最後は非常に過激なポルノ的動物博物館に連れて行かれます。墓地からポルノまで動物の足跡は身近で無害なように見えますが、実際には生臭く挑発的であることが多いのです。動物を都市に文章にイメージに導入することは非常に破壊や転覆の導入だと言える、常に破壊や転覆の導入だと言えるでしょう。東京電力のダチョウ、テプコのダチョウや不思議の国のアリスに出てくるウサギを思い浮かべると、夏の暑さに押しつぶされた庭の白ウサギを追いかけて、アリスは鏡の向こう側、不思議とファンタジーの世界に飛び込んでいくのです。動物の足跡をたどることは非常に危険であり、その現実との虚構化、記憶と想像力、歴史と虚構の危うい境界線をたどることになります。またクリス・マルケルは、日本は現実と虚構の境界が妙に曖昧な国であることを指摘しています。日本を想像することはある意味日本を知ることにつながると語っています。村上隆もまたスーパーフラットの中で、特に戦後の困難な時代において歴史の事実的座標から目を背けるための方法として、フィクションに対するこのような屈折を見ていたのです。次お願いします。
Alors que l'animal semble un motif décoratif souvent anodin, mignon, lié à une tradition picturale, l'animal est en réalité souvent utilisé en art en lien avec un discours politique, comme on le voit là avec la performance de Joseph Beuys, bien connue, avec le discours social, un discours a toujours un rapport avec l'engagement et la critique. En un mot, c'est presque un moyen détourné d'exprimer son engagement, et plus encore, aujourd'hui, c'est l'expression d'une communauté de vivants qui va au-delà des frontières de l'espèce humaine. Il ne faut donc pas s'y méprendre. L'animal en art a bien quelque chose à dire, et tout simplement, et tout spécialement, en temps de crise. 動物はしばしば無害で可愛い装飾的なモチーフのように見えますが、実際には動物はしばしば政治的、社会的、コミットされた批判的な言説に関連してアートで使用されています。ある意味、自分の主張を比喩的な形で表現しているようなものであり、今日ではなおさら人間の枠を超えた生物の共同体の表現となっています。ですから、動物を過小評価するべきではありません。芸術の中の動物は特に危機の時には何か言いたいことがあるはずです。Alors, je suis désolée, on va aller un petit peu vite, mais je vais vous montrer toute une petite collection d'animaux qui sont des figures critiques en temps de crise. 少し早く喋ってしまいましたが、ここでは動物たちのコレクション、危機的状況下でのモチーフを紹介します。Alors, diapositive suivante. 次お願いします。Donc, les bien célèbres séries de drapeaux chez Yukinori Yanagi qui utilisent les mouvements des fourmis dans une dimension critique. Yanagi Yukinori のこの、アリが旗の形をした砂を食べるというか、巣を作る作品にも動物が登場します。Diapositive suivante.Les interventions de Chimpom qui se revendiquent après le super plat du super rat, donc l'animal comme symbole du discours critique et de l'intervention critique en milieu urbain à Tokyo. Chimpom のスーパーラット、まあスーパーフラット、あの村上隆のスーパーフラットから、まあ、スーパーラットという名前にしているんですが、これは日本東京の市街地の社会的問題を批判するような作品になっています。次お願いします。Diapositive suivante. Les corbeaux qui, dans le tableau de Makoto Aeda, tout juste après le désastre du 11 mars. 3.11 の後に発表された、アイダ・マコトの、まあ、カラスが登場するこちらの作品にも動物が登場します。Diapositive suivante. Les oiseaux et la chorégraphie de l'oiseau blanc et de l'oiseau noir comme symbole négatif et positif tout à la fois dans les ruines du Tōhoku par Rinko Kawashi. 川内凛子のこちらの写真の作品には白と黒の鳥が登場し、それはネガティブとポジティブを同時に表すような作品になっています。Diapositive suivante. L'utilisation de la voix de la chauve-souris par Kota Takeuchi, puisqu'il nous raconte l'histoire des bombes ballons filmées par une chauve-souris. Donc retour de la chauve-souris du Covid, anticipation de chauve-souris du Covid. Takeuchi Kota のこちらの作品ではコウモリが登場し、ボールと一緒にコウモリの動画が映されています。Diapositive suivante. 次お願いします。La photographie des animaux empaillés du musée de Futaba par Hikaru Fujii. 福島の双葉博物館で、収蔵されている藤井光の動物の剥製の作品は今、カディスト展で東京現代美術館で見れます。Diapositive suivante. 次お願いします。L'utilisation du serpent pour mettre en avant les autoradiographies par la radioactivité par Masamichi Kagaya.
香谷正道の、作品は放射能と、まあ、蛇を掛け合わせたような作品になっています。次お願いします。Le récit de ce dauphin sauvé par des surfeurs alors qu'il faisait partie d'une communauté de 150 dauphins qui a été sauvé par des dauphins seuls sur 150 à avoir été sauvés qui décident finalement de se laisser mourir, de se relaisser mourir pour continuer à être avec ses congénères par Bontaro Dokuyama. Dokuyama Bontaro no...こちらの作品は150頭のイルカの大群の中から1頭だけ死んでしまってはぐれてしまったイルカの写真の作品になっています。Diapositive suivante。次お願いします。La métaphore du désastre ou du tsunami comme poisson utilisé parOscar Ewa. 津波の災害の、作の、模様が蛇のように、オスカー大岩の作品にも現れています。Diapositive suivante. La métaphore de la Renaissance et de la Renaissance par les bois du cerf, du daim.De Koei Nawa sur la côte du Tohoku. Nawa Kohei のこちらの作品では、鹿と木、鹿の角のことを、フランス語では木は鹿の木というんですが、こちらも再生を表すような作品になっています。Diapositive suivante.Le rapport aussi avec l'écologie, comme on le trouve dans l'utilisation des loups chez Tomoko Konoide. Konoike Tomoko-san のこちらの狼が出てくる作品は、生態系のについて問題を投げかけます。Diapositive suivante. Le lapin, la chez Leiko Ikemura et le mélange entre l'homme.Et l'animal. 人間と、動物が融合したようなこちらの池村玲子さんの作品はウサギを表しています。Diapositive suivante. 次お願いします。 Chez un artiste français qui a beaucoup travaillé au Japon, Jean-Luc Villemout, des autoportraits en animal. ジャンリュック・ビルムースは、日本でよく作品を発表していたんですが、彼の作品の中にも動物のマスクがよく現れます。Diapositive suivante. お願いします。Le destin du bétail à Fukushima par Akira Takayama. 動物の運命を、福島にいる動物の運命を表すような高山。アキラさんのこちらの作品にも動物が登場します。La, c'est, les animaux sont aussi l'image d'une terre avant nous mais aussi d'une terre après nous. On sait que les insectes ont survécu à de nombreux désastres d'ampleur planétaire et donc ils sont pour nous des professeurs. Ils nous montrent la voie pour une survie possible dans le futur. C'est ce qu'a montré une exposition à Tokyo sur le design inspiré par les insectes. 虫は人間が存在するはるか前から存在しており、危機を何度も乗り越えてきました。なので、その虫からこれから危機を乗り越える方法を学ぼうという観点で開催された2019年のデザインサイトでの展示もありました。Diapositive suivante. 次お願いします。Les nouvelles manières d'habiter avec ce nid par l'architecte et artiste Tadashi Kawamata. こちらの、川又忠の作品では、
新しい共生、まあ、住む方法としての巣が、あの動物、鳥の巣が、構造物の中に作られました。次お願いします。Et chez Shimabuku, on aurait beaucoup d'utilisation d'animaux. Et il voit d'ailleurs dans la tortue un professeur hein, pour nous montrer, qui nous enseigne toute la sagesse que nous devons nous aussi suivre. Une sagesse faite de lenteur et de contemplation avec My Teacher Tortoise. Shimabuku, こちらの作品には亀が登場するのですが、亀もやはり頭の良さというか、あの賢明さを表す人間をガイドしてくれる先生のような存在として使われています。Alors, on va regarder les trois diapositives suivantes, où ce sont d'autres œuvres de Shimabuku avec des animaux, notamment avec la pieuvre, mais également avec les singes, pour une manière de qui mettre en avant une manière de comprendre notre relation aux animaux.À la mémoire et à nos modes de vie. シマブクのこちらの3つの作品はタコやサルを使った作品が多いのですが、彼はこの動物の生態系をから人間の生態を学ぶというような作品を発表しています。Diapositive suivante. お願いします。Alors, Diapositive suivante. En fait, l'idée, c'est de se dire que utiliser les animaux, c'est peut-être une manière de critiquer quelque chose sans en avoir l'air. Comme là, par exemple, avec la pièce de Nobuaki Takekawa, qui représente les spectateurs. Alors, diapositive suivante, les spectateurs des Jeux Olympiques comme des chats. Et il faut rappeler que le chat est un félin apprivoisé, comme si nous-mêmes, en tant que spectateurs, nous étions...discipliné, apprivoisé. Donc c'est une manière de critiquer sans le dire, me semble-t-il, parfois. こちらの、2つの猫を使った作品は、猫という、動物、かわいいものを使って批評をしていないように批評をするという手法を使っています。例えば一番最初の、初めの猫を使った作品では、人間のように、猫がオリンピックに参加し、その後ろにいる猫たちは、全体主義の猫のように、何も考えずに前の人を追随するような形で、人間社会の批判を、動物を使ってしています。Alors pour conclure, la surreprésentation de ces trois figures, l'enfant, le fantôme et l'animal, en temps de crise, est, me semble-t-il, significative. Contrairement aux médias journalistiques qui nous font coller au réel, ces figures sont un petit accroc dans le réel qui nous interroge, qui nous questionne sur le monde et sa signification. C'est une manière de prendre un peu de distance par rapport au monde, de voir les choses autrement, avoir ce regard critique depuis les seuils, là où tout peut vaciller.Il faut se fier à la surreprésentation de ces figures, fantaisistes peut-être en surface, mais au fond véritablement critiques. Il faut apprendre à les voir, à décrypter leurs discours, leurs messages. Derrière le folklore ou le côté kawaii de l'enfant ou des animaux, ces figures ont une portée réellement critique. 危機的状況にあるとき、子ども、幽霊、動物という3つのモチーフ、継承が多く登場することは、私の考えでは特筆すべきことであると思います。現実に固執するジャーナリスティックなメディアとは逆に、これらのモチーフは私たちに問いかけ、世界とその意味を問う現実の小さなしこりでもあります。世界から少し距離を置いて、物事を違った目で見ることができるようになる方法なのです。私たちは表面上は空想的なのかもしれませんが、根底では本当は批評的な、批判的なこれらのモチーフの表現に頼らなければなりません。私たちは彼らを見て、彼らの言説を解読することを学ばなければいけません。フォークロアや可愛いの側面、子どもや動物の背後には、彼らの真に批判的な傾向が存在するのです。
Alors, à titre personnel, je ne m'inquiète pas pour la dimension critique de l'art japonais. Car d'une part, j'ai pu rencontrer des tas d'artistes concernés, engagés, dans la jeune génération notamment, qui transforment leur art en art de survie, mais plus encore en art de la résistance, hein, dans la lignée de Chimpom par exemple. Mais surtout parce que cette critique, je la vois partout dans l'art contemporain japonais. C'est une critique qui parfois ne se dit pas ouvertement, mais qui est véritable, et qu'il faut lire comme telle dans les figures de l'enfant, du fantôme et des animaux peints. 私は日本の特に若い世代の意識が高く活動的で社会的な、まあ、例えばチンポムなどのアーティストに多く会っていますので、個人的には、日本の芸術の批評的な側面はを心配はしていません。何よりもこの批評性は批評に見えないように子どもや幽霊、動物のモチーフを使って批評を読み取らせる日本の現代美術の至るところで見られるものに宿っているのではないかと考えています。Merci beaucoup. どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ゼリク先生、素晴らしい、なんていうか、お話というなんていうか、プレゼンテーションだと思います。Merci pour votre présentation merveilleuse. Merci pour votre traduction merveilleuse. はい、ですね、なんか初めてのライブ中継でちょっと緊張したので、なんかいろいろ言い忘れたことが最初にあったので、まず言わなきゃいけないのは、今日通訳を花岡美穂さんにお願いしていて、今聞いていただいて分かると思うんですけど、本当に素晴らしい通訳で、すごく良かったです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。でですね、まあ、いくつかコメントをして、時間もどうしても、ね、通訳を入れると倍ぐらいかかっちゃうので、限られた時間なんですけど、ちょっとコメントとあと、質問をしたいと思います。 Je voulais vous demander quelques questions, même si on a pas beaucoup de temps. Bien sûr. 特に一つ目、まず空間的即時性の話を最初にされたんですけど、これすごく面白いと思いました。というのは、実際問題として我々は今移動することがすごい禁じられている。僕はフランスに行きたいけど行けないし、ゼニク先生も日本に多分来る予定はあるんですけど、ちょっとまだいろいろ分からないことがあると。でも同時に例えばこうやって、インターネットを媒介して会議をすることが可能になっている。でしかもそれを可能にしたのが、ウイルスであると、コロナウイルスだっていうのはとても面白いと思ってるんですね。要するに何かこれまでグローバリゼーションと言っていたものが、その時はあまり感じられなかった空間的即時性が、こう自然の力 と、このテクノロジーの力によって急に感じられるようになったということですごく面白いと思った。ce qui m'intéressait, c'est que votre concept de immédiateté spatiale à cause de corona.On peut pas voyager, et Mori Sensei voulait aller aux États-Unis, mais il peut pas physiquement, et vous aussi vous voulez venir au Japon, mais physiquement vous pouvez pas, mais le coronavirus ne permet de comprendre qu'il y aa d'autres façons de communiquer, c'est grâce aux immédiatités spatiales. Vous pouvez dire quelque chose sur ça? Oui, alors en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que média, c'est vraiment l'idée de relation. Média, c'est la relation de la relation.非常に関係しているので、そこが重要なのではないかと思います。 Et il m'a semblé pendant la crise que c'était tout l'inverse de la relation, c'est-à-dire de lier des choses distinctes, c'était parfois au contraire coller aux choses, coller aux événements, surtout dans les discours on colle aux choses, on est immédiat, c'est l'actualité, c'est le journaliste qui vient sur le terrain, et il n'y a plus du tout ce relais, cette distance critique, et même là maintenantOn est loin, mais on est immédiat. Donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est cette tension entre la fausse immédiateté, non, la fausse médiation et la vraie immédiateté qu'il y a dans les médias. コロナウイルスの際に非常に
気になったことは、その空間的即時性で、今までそのメディアっていうことが果たしてきたのは、その何かを媒介するという役割で、まあ、コロナウイルスによってそこは、まあ、私たちのコミュニケーションがなかなか媒介しづらくなったっていう側面はあると同時に、即時性、まあ、物事と物事が非常に近いっていうことが明るみになったっていうことを感じています。Si on a changé de monde, c'est que le temps et l'espace ont changé au sens où la relation entre deux personnes dans l'espace et la relation entre deux personnes dans le temps s'est modifiée. L'espace-temps est modifié avec la crise du Covid, oui, sans doute. 空間と時間というものがこのコロナウイルスの危機によって非常に世界を変えたというふうに思います。はい、それは合意します。本当そうなんだと思うんですね。で、特に思うのがそのやっぱ歴史っていうか、いくつか思うことあるんですけど、一つはね、そうやっぱ歴史とか時間軸がすごく変わった。でこれまではもちろんその1990、まあ、もっと言うともう多分20世紀続いてかもしれないですけど、未来に対する疑いがずっとあったと思うんですね。要するに過去があって現在があって未来があって時間がリニアに流れてくるっていう、まあ、基本的な近代的な時間モデルは多分20世紀に崩壊してしまったと思うんですね。そんなに未来は明るくないかもしれない。でも今回のコロナ危機とか、あるいはまあもっと言うと日本の場合は特に震災があったので、地震と震災はいや本当に未来っていうのはもうないかもしれないっていう感覚がとてもこう蔓延してきたっていう、時間の感覚、その過去現在未来の時間軸がすごく変わってしまったと思います。Oui, je pense que la crise, cette crise-là, a changé notre notion de temps.Et c'est, on a pensé qu'il y avait, il y a le passé, présent et futur. Mais nous, en tant que Japonais, déjà en 11 mars 2011, on a douté que peut-être il n'y a plus de futur. Et avec ce crise de Covid là, ça a renforcé encore plus cette doute vers la future. で、その未来のいない、すみません、未来がないっていうことは何かというと、人間がいない未来みたいなのを想像するようになって、それが多分動物というのがとても重要になってる。人間がいなくなって動物だけが生き延びているような未来っていうのをなんか我々は考え始めて。Et précisément, je pense qu'on imagine la future sans humain. Et c'est pour ça que vous avez dit que vous avez parlé d'animaux qui remplacent les êtres humains et est sorti de la montagne ou de état sauvage aux villes.で人間が作った例えば原発だとか美術館だとか残ってるから、そういう美術作品が残ってるけどそれを見るのは全部動物であるみたいなそういう世界ですよね。ゆくいるいる森先生 pense que le monde sans humain ça veut dire que les animaux qui regardentles bâtiments ou des choses que les êtres humains ont créé, par exemple les centres nucléaires ou les bâtiments skyscraper de Tokyo, des choses comme ça. それは少し一つ感じたことです。ちょっと質問のようなことをしたいんですけども。Donc, je vais poser la question d'ici.それと関連してやっぱり今その思うのは、なんか世の中に死者が溢れてるってことにすごく意識的にならざるを得ないと思うんですね。世の中にとにかく死んでいる人がたくさんいる。
で、それはどこから出てくるかというと、例えばテレビを見ると、今日は何人世界中でコロナウイルスで死にましたみたいなのがずっとグラフで出てるわけですよ。で、それが毎日毎日その、数字として現れてるっていう、すごくこう奇妙な状態にいるっていうのが、とても現在我々が経験していることだと思ってます。質問なんですけど、いやだからそれと例えば今回例えば幽霊だとか、まあ、子供はちょっと違うところあると思うんですけど、動物というのがすごく出てきているということについて、なんか関係がどういうふうな関係があると思っていますか。Du coup, la question, c'est comme il y a beaucoup de nombres de morts à cause de Covid, et on voit le nombre de morts qui augmente ou diminue tous les jours. Du coup, la mort est devenue proche à notre vie, on peut dire. Et son question, c'est est-ce qu'il y a votre avis, est-ce qu'il y a la relation ou le conséquence avec le fantôme ou peut-être le figure de fantôme ou figure de l'enfant. Avec le Covid. Oui. Il y a un grand changement par rapport à la mort, c'est que avant, il me semble qu'on ne comptait pas les morts de cette manière-là. Aujourd'hui, on compte les morts et chaque mort est répertoriée. On pourrait faire la même chose d'ailleurs pour d'autres maladies, pour les accidents de la route, etc. Mais on ne le fait pas de cette manière. Donc là, on a l'impression, il y a un très beau passage dans le livre de Günther Anders, Hiroshima est partout, où il voit sur la rivière d'Hiroshima les lanternes, où chaque lanterne équivaut à un mort lors d'Hiroshima. Et là, on a vraiment l'impression, et il voit comme un retour des fantômes à ce moment-là. Et on a l'impression, effectivement, qu'avec ces nombres de morts qui ne sont pas des masses, mais des individus dénombrés, on a pour chaque mort un fantôme. Et effectivement, il me semble que les fantômes ressurgissent de cette manière-là. Ils sont ce qui, dans notre vie, renvoie à la mort. Et ça peut être compté. Donc, il y a une individualité du mort. Et le mort comme individu, c'est un fantôme. Et Clélia Sensei, si tu es un mono, que le coronavirus n'y a pas, の、まあ、意識になってきているっていうのを非常に感じられていて、毎日何人死にました何人死にましたっていうふうに人一人の人ではなくただの数に、まあ、なっているのが非常に心配でもあり、ギュンター・アンダースが広島についての言及で、まあ、川の提灯です川に流す提灯の数が、一人一人の亡くなった人のを表している、まあ、幽霊のように、まあ死者を表彰するものとしての役割を果たしている。なので、まあ、死が、まあ、大衆、まあ、数としてマスで語られるのではなくインディビジュアルの、まあ、死者として語られていくことが、まあ、重要なんではないかっていうふうに考えているそうです。今回やっぱりすごく面白かったのは子供と幽霊と動物っていうね3つの継承を挙げてそれをその意味みたいなものを読み解くっていうことだったんですけども、まあ、死としてそれはでも日本の現代美術を見たわけです。で、これはゼニック先生は日本の現代美術だからこの3つを挙げたのかそうではなくてもう少しそれは、グローバルかどうかともかくとしてもある程度その他の国や他の文化でも当てはまることなのかちょっとその辺はどういうふうに考えてるんですかね。Du coup, vous avez parlé de trois motifs, trois figures.
l'enfant fantôme et l'animal, l'animal, et sur l'art contemporain japonais. Ben, c'est peut-être parce que c'est votre sujet de recherche, mais Mori Sensei vous demandait, est-ce qu'on peut dire la même chose en sens global ou c'est que pour l'art japonais? Alors, il faut déjà noter que les animaux ont une place tout à fait importante dans la tradition de l'art japonais. Hein. On pense à Utamaro qui commence sa formation en copiant, en dessinant des insectes. Et donc, c'est aussi une initiation à l'art que d'observer les animaux et leur diversité et leur beauté. C'est le cas au Japon, c'est aussi le cas ailleurs, mais c'est vraiment le cas au Japon. Cela dit, il me semble que cette présence de l'animal aujourd'hui, elle est tout à fait mondiale et globale. Déjà en Asie, on pense à Shippatpong Verasetaku, la Otsunien qui fait parler un tigre pour raconter l'histoire de Singapour. Et en France, donc, j'évoquais cette question, cette exposition dont le commissaire est Paul Ardenne, donc Human-Animalisme, qui mélange les animaux. On a de nombreuses œuvres. Il y a Yann Fabre qui a notamment participé à cette exposition. Et puis, on trouverait des exemples, me semble-t-il, un peu partout, parce que l'animal, peut-être pour donner un exemple très, très anecdotique, cette année, enfin, l'an prochain aux Beaux-Arts, il y a 3 ou 4 cours qui sont consacrés aux animaux. Autant dire que c'est un sujet brûlant en France aussi. もちろん日本の伝統として、虫を描いたり、観察するとデッサンをするという伝統があることは確かで、日本に特にあることとは言えるとは思いますが、これはグローバルにどこの文化でも言えることだと思います。例えばシンガポールでは虎の展示がされていますし、先ほどお話ししたように今パリでヒューマンアニマリズムっていう展示もされていて、そこにはヤン・ファーブルが参加していたりしますし、ボザール、パリ国立高等美術学校の中には、常に別にこのコロナ危機だからということではなく、3、4コースの動物に関するクラスが設定されてます。じゃあフランスでもある程度こういうことが言える、on peut dire la même chose que l'animal et la place des animaux est importante dans l'art contemporain. Oui, mais je pense parce que précisément en temps de crise, parce que l'animal apporte un regard autre. Il apporte un regard autre, donc nécessairement critique. Et introduire l'animal, c'est toujours un peu subversif, un peu critique, même si c'est aussi très amical, humoristique, sans doute aussi. Mais, bien sûr, en France, le art de la France peut aussi être dit. Mais, surtout, en crise, il y a beaucoup de raisons. 理由としては他の視点を持っている、外からの、人間以外の視点を持っていて、そこに批評性が存在するからだと考えています。じゃあこれ最後の質問にさせてください。お話はですね、愛知のトリエンナーレから始まって、最後その動物の、どういうふうにしてと検閲を対応するかっていう話で終わったんですけれども、一つ考えたいのはっていうか、要するに一方でその環境問題とか、コロナウイルスとか、大きな問題がありますよね。なんと人間ではどうしようもないような問題があって、でもう一方で我々がでも直面しているのは、例えばその愛知トリエンナーレで見られるような検閲だとか、あるいは割とこうヘイトスピーチだとか右派的なものだとか、ナショナリズムが強まっている。でそれに対応するがのようにいろいろ反対運動が起きたり、あるいはアメリカではそのブラックライブズマターのような運動が起きたりするっていう、個別のことがあるわけです。で一見するとその2つはとても遠い問題に見える、
一つはその大きな自然災害の問題であり、もう一つは人間たちが作っている非常に具体的な問題だと思うんですけど、その二つを結びつけるものとしては何なのか、でその中で例えばアートってどういう役割を果たすと思いますか。Oui. Vous avez parlé de Aichi Toriennale, et c'est la question de censure. Et aussi, on a parlé de Covid, qui est catastrophe naturelle. Mais vous avez parlé aussi à Aichi Toriennale, qui était le problème de crise sociale qui a créé pas humain. Et du coup, en même temps de Covid, il y avait le problème de hate speech ou racisme apparaître. Et du coup, la catastrophe naturelle et le problème social peut être relié ou connecté avec l'aide de l'art, à votre avis, comment on peut relier cette deux problèmes naturels et sociaux. Alors déjà, je pense que une crise ou une catastrophe qui est strictement naturelle, c'est assez rare, hein. C'est le grand débat entre Rousseau et Voltaire pendant le tremblement de terre de Lisbonne. Et Voltaire dit que Dieu ne peut pas être accusé, puisque c'est bien, enfin, il peut être accusé, pardon, puisqu'il a détruit et il a fait tant de morts. Et Rousseau réplique : oui, mais qui a construit ces maisons à ces endroits-là ? Donc, c'est bien l'homme qui a construit les maisons et le tremblement de terre n'a pas choisi là où il tremblait. Mais bon, c'est en un sens bien la faute de l'homme. Donc, les catastrophes sont toujours un petit peu mêlées, humaines, sociales et naturelles. Après, effectivement, l'art, elle permet sans doute de traiter aussi bien l'une que l'autre, ou du moins, me semble-t-il, voir ce qu'il y a d'humain dans une catastrophe naturelle et de rappeler qu'une catastrophe naturelle a toujours son effet sur des hommes et qu'en ce sens, elle nous concerne. リスボンの大地震の時にルソーとウォルテールがの、まあ、議論というものがあって、ウォルテールは神が、批判される、神のせいだというふうに言っていたのに対して、ルソーはその、まあ、地震で崩れた建物は誰が作ったんだ、それは人間だろうというような議論もありましたが、常に自然災害っていうものにも人間の力がどこか関わっているように思います。なので、まあ、アートの力がそこにどういうふうに役立つのかは分からないんですけど、やはり自然災害も人間どこかに人間が介在しているという点では人間が、まあ、アートが何かできる役割があるのではないかなというふうに感じています。はい、まあ、ちょっと長時間にもなったのでこれで終わりたいと思いますが、冒頭に言ったように、クレーネゼルニク先生は今回やっているこの、リレーションズのプロジェクトの編集委員もお願いしていて、これからも議論が続けられると思いますので、また機会があればこういう機会も作りたいと思いますし、本当はね、でも日本に来ていろいろと議論してもらえるといいなと思っています。よく merci pour votre présentation et votre temps, et comme c'est déjà 21 ans passé, on va finir la conférence. Mais comme vous êtes l'éditeur, le membre de ce projet Relations, on va continuer à discuter ensemble et j'espère qu'on va avoir une autre occasion
pour discuter comme ça dans un... et espérant que vous pouvez venir au Japon pour une conférence comme ça. Donc, physiquement. Merci beaucoup Molly-san et merci Mio pour cette traduction. J'étais vraiment ravie d'être avec vous. Merci. どうもありがとうございました。森先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあちょっと告知をします。ここでゼミク先生お会いなんですけど、こういう感じでというか今日はライブなんですけど、明日以降もこの時間帯にやります。明日はエイドリアン・ファベルさんかな先生がやっぱり震災以降の日本の現代美術ということで、レクチャーをしてなんか僕が少し質問するみたいな形です。明日の英語の、については英語の講義というか話についてはちょっと通訳がつけられないんですけども、すいません頑張って興味のある人は英語で見てもらえると思いますし、もちろん分かる人は問題なく見れると思いますのでぜひ見てください。で、あさっての土曜日は、編集委員のメンバーで、シンポジウムは朝、昼間の1時から1時間半ぐらいします。これは日本語で、これからどうやっていくのかみたいなことをそれぞれ考えていることを話していこうというものです。それ以外のスケジュールについてはちょっと今なんかこう手元にしゃべる材料がないのでよく分かってないんですけど、ホームページが出来上がってやっと今日公開されたのでそれを見て、ください。そこにいろいろ細かな情報が入ってますので、明日以降もよろしくお願いします。では終わり、これどういうふうに終わったらいいですか、ね、終わりますみたいな手を振ればいいですか、ね、はい、じゃあこれで今日はお疲れ様でした。Merci beaucoup.